from all things at once without thinking twice. And I knew it would catch up and that we would be the ones left behind. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. And this road that I am on, I gotta stay here for some time. Un poulet cacciatore. J'espère que je l'ai bien dit. Un poulet chasseur, à la française. En fait, c'est un poulet qui cuit dans une sauce avec des légumes, des champignons, dans du vin aussi, donc avec une sauce à base de tomates. Moi là, je vais vous donner ma version express de ce poulet là. C'est très très bon. Alors accompagnez soit avec des pâtes, là c'est ce que je vais faire, mais aussi avec de la polenta crémeuse, recette que je vous ai déjà partagée. Si vous souhaitez, elle est sur le blog. De la purée aussi. Enfin voilà, c'est vraiment très 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 bon. Alors vous allez voir, il y a peut-être des ingrédients qui vont pouvoir vous surprendre un petit peu, parce qu'on a besoin de filet d'anchois dans cette recette, mais n'ayez pas peur, on ne sent absolument pas le filet d'anchois. En fait, ça donne le petit kick à la recette sans... Vous voyez, c'est le petit truc qu'on se dit, il y a un truc dedans qui fait que la recette est super bonne, mais j'arrive pas à dire ce que c'est. Vous voyez ce genre de truc. Là, vous n'allez pas du tout sentir... Enfin, voilà, ça va donner un petit truc à la recette, mais vous n'allez pas sentir les anchois. Donc, même si vous n'aimez pas les anchois, je vous conseille de les mettre. Parce que c'est vrai qu'il y a des moments, le poisson mélangé avec de la viande, on a un petit peu peur. Les anchois, en plus, souvent, font un peu plus peur. Mais là, franchement, allez-y, n'ayez pas peur. C'est parti, je vous embarque. En Italie, on a déjà le soleil. Cette semaine, on a de la chance. Hein. Allez, on y va. Je vous montre la liste des ingrédients. Ce poulet chasseur... Voilà ce qu'on a besoin. Ça peut paraître beaucoup, mais vous allez voir que c'est souvent des ingrédients qu'on a déjà dans ces placards, quoi, en fait. Donc là, j'ai deux gros blancs de poulet que j'ai coupés en gros cubes. Une petite boîte de concentré de tomate, une boîte de pulpe de tomate, de concassé de tomate, du vin rouge. Alors, pour celles qui ne boivent pas l'alcool, remplacez-le par le bouillon. Voilà. Alors, vous n'aurez pas forcément le même goût, hein, mais... Alors après, le petit truc... Mais... Ça fonctionne avec le vin blanc, j'ai jamais testé avec le vin rouge, mais c'est vrai que voilà, on pourrait remplacer par un vin blanc. Donc oui, à tester. En fait, le petit truc, quand vous voulez le petit goût qu'apporte le vin blanc, que vous en avez pas ou vous voulez pas consommer de vin, vous mélangez un verre d'eau. Donc comme là, il y a 125 ml, vous mélangez 125 ml d'eau avec une cuillère à soupe de vinaigre de vin ou de vinaigre d'alcool, quoi, en fait. Ça peut... bien remplacer le vin dans les recettes. Donc voilà, un petit truc. Autrement, comme je vous dis, vous le remplacez par du bouillon. Du sel et du poivre. J'ai un oignon que j'ai coupé en petits cubes. 3 gousses d'ail qu'on va émincer ensuite, on va les presser. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Du bacon ou des lardons. J'ai 100 g de lardons. Enfin, une boîte. 250 g de champignons que j'ai coupé en demi-lune, en grosse tranche, en fait, coupée en deux. Ici, j'ai mes herbes, une demi-cuillère à café de basilic, une demi-cuillère à café de thym, vous pouvez mettre du frais, hein, si vous le souhaitez, et du piment. Alors, des flocons de piment, là, moi, j'ai mis 1/8, mais si vous aimez ça plus corsé, vous savez que moi, il faut pas que ça arrache la bouche. Donc, il y a quoi? Il y a 1/8, mais vous pouvez y aller, hein, si vous aimez ça. Les 2 filets d'anchois. Des olives noires, j'ai une dizaine d'olives noires. Alors moi, les olives noires, je prends les olives noires à la grecque, je trouve que c'est les meilleures. Alors là, elles sont dénoyautées. Ensuite, j'ai une belle carotte que j'ai coupée en lamelles. Ici, j'ai des poivrons, 2 poivrons. Alors moi, c'est des poivrons grillés en bocaux, justement parce que pour gagner du temps. Mais vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, les griller vous-même ou les mettre comme ça en morceaux. Voilà, c'est à vous de voir. On y va du coup. On commence tout de suite. En matériel, on a besoin juste d'une sauteuse. Ça ira très bien. Alors, recette que vous pouvez faire comme d'habitude au Cookéo ou ce que vous voulez. Vous divisez le temps de cuisson par 3. Je pense que
Voilà, vous faites exactement la même recette. Oups là, il y a du soleil, mais du coup, je suis à contre-jour. Oui, vous faites exactement la même chose que ce que je vais faire là, dans la queue du cookéo, vous faites doré, etc. Et une fois qu'on compare en cuisson, bah alors là, moi, dans ma recette, il y a 15 minutes de cuisson, vous mettez 5 minutes de cuisson au cookéo. C'est très très bien, le poulet coupé en petits morceaux, les autres légumes, ça cuit relativement vite. Donc voilà, allez, on y va du coup, je sors ma sauteuse et je mets l'huile d'olive à l'intérieur. Voilà, avec le soleil, je suis un petit peu à contre-jour, donc je suis désolée pour la luminosité, mais voilà, on va pas se plaindre. Hein. Donc du coup, dans ma poêle, j'ai mis l'huile d'olive et je vais commencer, pour ma sauteuse, commencer par y mettre le poulet pour commencer à le faire dorer. Alors une fois que le poulet est doré, on ajoute l'ail et l'oignon et on va les faire dorer aussi un petit peu à leur tour. L'ail et l'oignon sont légèrement dorés, on ajoute la carotte et les champignons et on les fait s'attendrir. Les carottes et les champignons sont attendris, on ajoute nos deux filets d'anchois, on va poivrer et saler un petit peu, alors pas trop le sel, il y a les filets d'anchois, et encore plus si vous mettez, vous remplacez le bouillon, le vin par le bouillon. Voilà, on ajoute nos herbes et le piment. On va déjà mélanger ça. En fait, les anchois, ils vont fondre dans la sauce et vous allez même plus les sentir. Ils vont, voilà, ils vont disparaître complètement. Là, on va ajouter les poivrons coupés en lamelles, les lardons, nos petites olives. Avec le vin blanc, le vin rouge. Hop, on va ajouter les tomates cassées et le concentré de tomates, c'est ce qui va avoir épaissir la sauce en fait. On va avoir une belle sauce qui est bien nappante du coup. Donc là, c'est une petite boîte de 70 grammes. Et on mélange ça correctement. Donc là, une fois que c'est mélangé, il n'y a plus qu'à laisser mijoter. Donc on baisse le feu, feu doux, et on fait cuire pendant 15-20 minutes. Comme je vous ai dit, c'est possible de le faire au cookéo ou au ninja. 5 minutes sous pression. Et ça sera suffisant. Donc voilà ce qu'on obtient au bout de 15 minutes de cuisson. Ça a tout compoté. Le poulet bien cuit. Et on a une belle sauce. Donc voilà pour la recette du jour. Alors là, je l'ai fait avec des blancs de poulet. Mais c'est tout à fait possible de le faire avec des hautes cuisses. Des cuisses. Enfin, ce que vous voulez. Même un poulet entier qu'on couperait en morceaux, par exemple. C'est juste pour gagner du temps de cuisson. Que je l'ai fait avec du blanc de poulet. En semaine, c'est pratique. Le blanc de poulet cuit très très vite. Donc comme là, je vous ai dit, 15 minutes, 5 minutes sous pression au cookéo. C'est fait. Si vous utilisez un poulet ou quoi, va falloir ajuster le temps de cuisson. Donc, je vous mets ici la petite photo, comme d'habitude, du visuel dans l'assiette. Je vous mets aussi le visuel de la fiche recette que vous pouvez retrouver sur le blog. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure pour un vlog, justement. Bye, bisous. Time has gone and I grew up. I somehow made it through without losing sight. And I still wonder where you are. And if you found a way out.